Hey, yep, salut à toutes et à tous, c'est Aileta et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ouverture de Booster. Ça manquait un petit peu d'énergie dans ce début de vidéo. Donc on a deux boîtes, un coffret Pikachu V avec 4 boosters et un coffret Morpeko V. J'ai pas pu résister à le prendre celui-là parce qu'il y avait les 4 cartes qui faisaient une géante et je trouve ça trop cool. Trop cool, c'est les premières, je sais que ça a déjà été fait, mais c'est les premières que j'aurai. Hop là, mais d'abord on va ouvrir les Pikachu. On va les ouvrir les deux, puis on va rassembler les boosters. Donc, alors, ça sera une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée, puisque on n'a que 8 boosters. J'arrive à ouvrir ce coffret. Ce coffret de malheur. Ce coffret de... Putain, mais... Voilà. Vous entendez ce son? Délicieux. Un plaisir. Un ciseau, il me faut un ciseau. Ah bah tiens, j'ai mieux qu'un ciseau. Un peigne. Parfait. Comment tout déchirer, hein. Mais... Ah, ça va pas si bien que ça, le peigne, en fait. Voilà. Les miettes. Des miettes de coffret. Voilà. Et ça aussi, je suis trop content parce que je n'avais jamais eu de Pikachu en V ou quoi. Donc après, c'est une carte promotionnelle, mais ça fait toujours plaisir. Hop. On est par là. Et on a un Mimiki Reverse. Holo, pardon. Non, par contre, le point, faut que tu te fasses, mon grand. Hein, parce que le point, je vais pas le faire pour toi. Ah, quoi que. Bah, vous la voyez. Vous la voyez, pas besoin de faire un point. Ça, c'est cadeau. Et la Pikachu. Ah, d'habitude, tu me fais le point, là, tu me le fais pas. Ah, voilà. Magnifique. Super. Donc, la V, très sympathique. On a la carte géante. Il me sert de poster. Trop belle, n'empêche. Ok. Et on a 4 boosters. Donc, 2 stars étincelantes. Un ténèbre embrasé, là-dedans c'est le fameux Dracaufeu, et un point de fusion, c'est sympathique, pourquoi pas. Et ouvrons tout de suite le Morpeko V-Union. Morpeko. Bonne continuation pour la suite, camarades, ça roule, Lord Brejnev. Alors j'ai bien compris, à chaque fois que je fais des ouvertures de booster, tout le monde se barre. Je l'ai fait vraiment pour mon propre plaisir. Hop. Ah, les Morpeko. Ils font une carte géante en une. Je trouve ça tellement cool. Enfin, ça rendra trop bien sur le mur. Oh. Diantre. Diantre. Voilà. Ah. Allez, faut sortir. Faut sortir. Pourquoi tu pas sortir? Ah. That's why. Il y a une... Oh, professeur Pimpernel. Professeur Pimpernel. Tac. Ça, c'est cadeau. Hop, 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 hop. Voilà. Et on a alors 2 stars étincelantes, un point de fusion et un voltage éclatant. J'adore. Voltage éclatant et ténèbres embrasées. C'est... Ils sont trop cool, ces boosters. Ça, ça part. Alors, et la carte géante Morpeko aussi. Très bien. Hop là. Donc, la grosse carte. Et si on fait comme ça. Et c'est ça qui est dingue, c'est comme un puzzle. Hop. Tu dégages. Il y a des petits bouts un peu partout, quoi. Des bouts de cartes. Super. C'est un peu un puzzle pour Nevada, quoi. Pour enfant de 0 mois. Ok, super. Donc, on a déjà ça. C'est très bien. Plus le Pikachu V. Hop. On va le mettre de côté, tout ça.
Et on va ouvrir déjà les stars étincelantes. On se garde les deux points de fusion pour après. Et pour terminer correctement, ténèbres embrasées, voltage éclatant. Nickel. Allez, c'est parti. Sur le drac au feu, tout de suite maintenant. Hop. L'ouverture du booster. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. 1, 2, 3, 4. Énergie de type eau. C'est de l'acier. Énergie de type acier. Luxio. Capoeira. Bassin de magma. Neuneuf. Tad morve. Mélofée. Kenotor. Qui c'est qui me disait Kenotor? Kenotor. C'est Brejnev. Electek. Oh! Une carte dresseur full art. Barista. Oh putain, c'était pas la dernière. Trop bien. Trop cool. Barista qui fait de superbes café cupcake. Muffin. Crémeux. Trop cool. Je l'avais pas celle-là. Bon, une carte dresseur, on n'est pas non plus comme des oufs quoi, mais c'est cool. Je l'avais pas. Allez, on y va. Pour le deuxième star étincelante, Zelandi. J'espère qu'on a été gâté dans ces boosters. R.E. Wano Gimu Larson. Hop là. On y va avec ça. 1, 2, 3, 4. Et moi, je dis que c'est une énergie de type feu. Si. Qu'est-ce que je fais, moi? Que fais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Alors, énergie de type psy. Quatre. Saltimbanque, son énorme pétard, prend un plouf. Attention de Tchéren. Énergie psy suprématie. Mustéboué. Grignote, Kraxnoa. Alors eux, ils sortent tout le temps en même temps. Vous remarquerez, dans tous les boosters que j'ai fait, eux, les deux là, ils sont toujours l'un après l'autre. Neuneuf. Étourmi. Ceinture, choix. Et Pangoléon. Holo. J'ai déjà eu. C'est une carte Zef. Même si, genre, tu m'aurais donné un booster comme ça, petit, genre, oh, trop bien, Pangoléon, waouh, un truc de ouf. Pas si ouf que ça, petit, pas si ouf que ça. Le Poulpaf VMAX, oh my god, oh my god. Oh my fucking god. 3, 4. Le tristoun, cette musique. Non! J'ai changé de playlist. Énergie de type vert. C'est pas vert. C'est rouge. Énergie de type feu. L'ambition de Cynthia qu'on a eue en arc-en-ciel. Chartor. Énergie double turbo. Wistikram. Chinchidou. Balbutso. Stalgamin. Tarinor, Rm, Coupenote et Mewtwo. Nul! Ça c'est pareil, tu me l'aurais donné gamin, j'aurais fait waouh, putain mec, tu sais pas quoi, j'ai eu Mewtwo quoi. Pas si ouf que ça, petit Aileta, pas si ouf. Et salut à tous les amis, c'est Aileta, la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Il faut que je fasse les. Je fasse ça aussi. Ouh, ça sent bon celui-là. 2, 3, 4. Hop là. Énergie de type. Énergie de type. Feuille. Oh, JJ, moi-même, JJ. Énergie de type plante. De type chlorophylle. Mustéflo, ceinture choix, Vibranymph, Neuneuf, oula, Neuneuf, de type weed, Tadmorve, Mélofée, Kenotor, Electek,
Oh, la évolique, on a déjà eu 3 fois. Oh, Farfa Duvet. Oh, trop bien. Je l'ai pas. Tu sais, je suis plus hype sur la Farfa Duvet que la Evoli Full Art. Bah, elle sort tout le temps en même temps, la Evoli Full Art. Oh, je suis trop content. Je suis trop content, là, la Farfa Duvet. Elle est tellement soyeuse. Super. Non, par contre... Si je l'ai... Oh, c'est mieux comme ça. On va mettre comme ça. Non. Tac, un petit peu moins. Ok. Moins bon qu'à Poulpaf. Ouais, bien sûr. Alors, on a 2 points de fusion. On va commencer par le Fulgudog. Dali avait trouvé un Poulpaf dans la rue, il me l'a passé. C'est vrai ? Hop. Le Poulpaf légendaire ? Il a trouvé un Poulpaf légendaire dans la rue ? Mais qui a osé jeter un Poulpaf légendaire ? Allez, c'est parti pour une énergie de type coup de poing. Ah. Énergie de type bleu. Nigomix 3000. Blanc coton. Berserk 4. Flotte à joue. Evoli. Lexi. Escargoum. Oh, t'as top. La flamme noire et... Oh ! Oh, la Pikachu V ! Oh, la Pikachu V qui tombe ! Oh ! T'as moi qui disais, oh, j'ai pas de Pikachu V ! Oh, let's go ! Let's go ! Oh, tellement beau ! Tellement beau ! Oh, let's go ! Let's go ! En plus, dans le point de fusion, nickel ça. Hop, il m'a sauté dans les doigts celui-là. Horrible cette musique. Allez, 1, 2, 3, 4. Attends, je les ai déjà. Putain, c'est chill, y a plus personne. Ah, les cartes Pokémon, c'est jamais beaucoup de monde. Énergie de type... Énergie de type... acier. Oh! C'est fou. C'est complètement dingue. Mais je suis un devin. Ils sont venus pour l'histoire du bébé, puis plus personne. Ouais, mais je peux le comprendre. Énergie de type acier. Passe de combat. Passe sanitaire VIP. Togedemaru. Colossinge. Malbeton. Rayon de Galar. Oupix. Welpeige. Le Vénard. Morpeko. Un Morpeko River, c'est... Et Limaspeed. Ah bah attends. Ah non, Limaspeed, je croyais que c'était le... Par contre, j'aime bien le Morpeko. Pour le coup. Pour le coup du coup. Alors, qu'est-ce qu'on se fait là? On se fait le voltage éclatant qui est très lourd. Ou le ténèbre embrasé. Allez, on va se faire le voltage éclatant en espérant tomber sur le Pikachu Dynamax. Ça serait un truc de ouf, ça. Putain, comme ils me viennent dans les mains, quoi. C'est fou. Drone de Lina a pas envie de me tuer au final. Lina a dit à sa mère qu'elle et moi, on était en couple. Et elle l'a pas mal pris. Bah, tant mieux. Ça doit la rassurer que son petit copain vit à 350 km. 3, 4. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Énergie de type. Qu'est-ce que cette musique m'inspire? Ça m'inspire la joie, la bonne humeur. Moi, je dirais une énergie eau ou alors une énergie électricité. Sombre. Tout l'inverse. Énergie sombrero. Fromage me. Pour faire revenir tout le monde, faut mettre Valenfight, ça marche à tous les coups. Juste après. Mateloutre. Noisier. Welmer.
En chouette. Neuneuf. Pijako. Poulpaf. Metang. Oh, nul. Ninja, ça ne sera malheureusement pas un Pikachu Dynamax, VMAX, Reverse, holographique. Et vous faites vos trucs dans votre corps pendant que je me balade dans Paris. Donc si Sadairon est d'accord pour que je vienne, c'est bon. Ah ouais. Oh bah ça se fera après si vous voyez. S'ils voient que ça dure et que vous êtes assez insistant. Allez, on y va pour le dernier booster qui est le Ténèbres Embrasées. Qui est possiblement porteur d'un Dracaufeu. Shiny, je crois. Le noir, là, oui, c'est un shiny. Hop. 1, 2, 3, 4. Oh non, pitié. Enfin, quoi que ça fout la pression un peu, cette musique. Est-ce que j'aurais un petit Dracaufeu? Petit Dracaufeu avec une énergie de type feu! Électricité. Ouh, je crois qu'il y a quelque chose. J'en suis pas sûr. Pas vous faire de faux espoirs. Non, non, attends, pitié, pas cette musique, là. Tu vas remettre celle du début. Ouais, très bien. Énergie de type électricité. Fouinard. À l'énergie. Migalos. Migalos à Mykonos. Passe rouge à... au Moulin Rouge. Sauf Kipou. À Moscou. Tadmorve. Oula, elle est dure celle-là. Tadmorve à... Je vous laisse la faire dans les commentaires sur YouTube. Tzik. Tzik à... Ça aussi, vous pouvez la faire en commentaire sur YouTube. Quoi ne-t-on à Charenton? What? Bref, c'est quoi? Oh, Gorythmic Gold! Oh, je les ai tous eu, les Gorythmic. Mais pas lui, du coup. Oh, le Gorythmic Gold! Bon, elle doit rien valoir, parce que c'est pas forcément un Pokémon très très demandé. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est classe! Qu'est-ce qu'elle est belle! Putain, on a eu une ouverture de booster de ouf, là. Elle est super belle. Ciao, ciao, One Game! Alors, voyons voir sur l'eBay Gorythmic. Un instant. eBay. Bientôt la mèche. Ouf. Alors, Gorythmic Gold. Oh. Ah, si, elle vaut son prix. Oh là là. Ah oui, elle vaut quand même pas mal. T'en as pour 35, t'en as qui sont en PCA qui sont à 80 balles. Oh, quand même. Bien, écoutez, on a une belle ouverture de booster aujourd'hui. Vraiment, on n'a pas fait beaucoup de boosters, mais alors on a vraiment une superbe ouverture. Pour le coup, on a eu des super cartes. Bon, la Evoli, on l'a tout le temps, mais bon. Voilà, on a eu... Attends, on va mettre les deux Pikachu l'un à côté de l'autre, comme des frères. Comme des frères jumeaux, nés sous le signe des jumeaux. Hop, et on a les 4 Morpeko qui vont comme ça. Tac! Et voilà! C'est pas moi qui ai pris une grande carte qui l'ai découpée en 4, hein, on pourrait croire. La grande carte, elle est là. Voilà, c'est comme... c'est comme si... En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit épisode d'ouverture de booster. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, vous abonner et bien sûr à rejoindre Twitch. Et pourquoi pas aller voir dans la description pour rejoindre Twitter, Facebook, voilà, si vous avez plus de 65 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Discord, bien sûr, le site internet, bien sûr, le TikTok, fait par et géré par Nodrak. En attendant, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!